pour une nouvelle vidéo, comment créer un bot sur notre comment créer un bot sur Fortnite. Hey, salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Enzo pour une nouvelle vidéo, comment créer un bot sur notre comment créer un bot sur Fortnite, un lobby. Donc regardez, c'est mon bot qui s'appelle le bot de Enzo, bannière Epic Game, niveau 999, on peut dire, je crois que c'est ça. Puis la petite danse, donc regardez vers emote. C'est Marie, oh, voilà, on va la faire. Attention, voilà, nickel. Je peux lui mettre le skin, là, du coup, iconique, bam, et voilà. Du coup, bah, maintenant, on va passer au tuto. Comment faire? Bah, pour avoir un bot, déjà, attendez, déjà, on va pouvoir commencer. Donc, il va falloir lancer son mode, son Firefox, enfin, Internet. Et bah on se retrouve dès que c'est fait. Donc là les gens pour commencer le tuto, vous allez devoir créer un nouveau compte pour votre bot et retenir l'email et le mot de passe. C'est très important de le retenir. Si vous retenez pas, vous faut créer un compte parce que sinon c'est chiant. Et puis à part si vous avez une bonne mémoire, faut retenir dans la tête ou vous mettez ça sur un bloc-notes, sur un papier. Donc déjà, bon, alors ta redirection. On attend. Bah. Du coup, je profite pour vous dire que je vais bientôt avoir mon code créateur. Bientôt des parties perso qui vont arriver avec des lives peut-être. Ça m'étonnerait pour les lives, mais je ferai des parties perso de temps en temps. Donc on va aller dans... Bah déjà attendez, je vais me déconnecter de mon compte GS5PNZ. Pour ceux qui me demandent un ami, c'est ça. Bah GS5PNZ. Donc on va créer un nouveau compte. Déjà on va la créer, je vais l'appeler tuto 704, je sais pas, un nombre pif. 704 c'est un nombre pif, je sais pas. Donc là, ça c'est bon, ça c'est mon compte de bot. Vous avez pas le mot de passe, je vais pas vous le donner. On fait créer un compte. Déjà c'est déjà facile. Donc là vous mettez ce que vous voulez, bam bam bam, tu peux mettre n'importe quoi. Attends, bam, je fais ça, bam, je vais marquer attends, qu'est-ce que je peux marquer? Bah je peux marquer, attendez, je crois que ça charge la cour. Attends, ah, la cour qui a du mal. Bah attendez, voilà, nickel. Donc je vais mettre n'importe quoi, bam bam, bim boum boum. Alors là, on va mettre dans le pseudo, on va créer, bah moi ça va être tuto YouTube bot. Ctrl-C. Gardez les mails, hein. C'est important. Donc celle-là, je vais la copier-coller, je vais la mettre sur une autre page, comme ça, bam. Bam. Tuto, bam. Bon, un peu là, c'est un peu chiant. Mais n'est pas enregistré, mais pas obligatoire, parce que moi je m'en fiche un peu, c'est juste un tuto YouTube pour vous. Donc je vais aller sur un site, et puis je vous le remonte, et puis après, on se retrouve. À toutes. Donc, je vais vous dire que le lien ne vient pas de moi, c'est moi qui ai cherché sur YouTube, j'ai trouvé des liens. Et du coup, je vais vous mettre dans la description un lien méga, donc vous téléchargerez le lien, vous téléchargerez le fichier qui est dans le lien méga. Donc, je vous le réinstalle pour vous, parce que moi j'ai déjà un bot, j'ai pas envie de refaire tout. Donc normalement on attend 35, 34, ouais, voilà, 30 secondes, voilà, c'est marqué là.
Bah du coup bientôt mon coup de créateur, j'ai oublié de vous le dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager si ça vous a plu. Puis comme ça après comme ça je pourrais faire plus de parties perso ou autre. Donc bah ok, donc maintenant c'est bon, c'est installé. Attendez, stop, voilà, c'est installé. Maintenant on fait fortnitebots.zip, vous le lancez, le lien est WinRAR. Si vous avez pas WinRAR, le mieux c'est d'avoir WinRAR. Vous prenez ce lien, ce truc là, vous glissez sur le bureau. Attendez, comment je prends. Donc les gens, du coup là on est, attendez, bam, là on est pas, là je suis jamais lancé sur Streamlab. Bah oui, c'est ça, du coup, Fortnite bot, vous lancez, une fois que ça installe, vous lancez, vous aurez un truc, c'est ça, bam, config, une fois config, dans les mails, vous mettez, les mails de votre compte bot, le mot de passe, ça je m'en fiche, je vais montrer tout. Une fois que c'est fait, vous fermez, vous faites, un seul package. Attends, ça c'est facile à faire. Vous attendez, ça c'est facile normalement. À part si vous êtes vraiment des flemmards, mais faut pas être flemmard pour ça normalement. Surtout quand c'est un bot Fortnite. Une fois que c'est installé, attendez, vous appuyez sur une touche. Une fois que dès que c'est 0 secondes, vous appuyez sur une touche. Bam, et après ça va venir tout seul normalement. Si ça vient pas, bah vous relancez. Donc on a, moi c'est ce qui s'est passé, un seul package, on relance. 2, 1, bam, attention, là vous touchez à rien. Donc vous attendez, bam. Du coup j'en profite vite fait pour vous dire que mettez mon code créateur qui va bientôt venir. Normalement ce sera ENZ0. Je vais regarder sur si j'ai reçu une email, tant qu'à faire, au pire, bam. Je pense que ça me fait pas parce que c'est déjà installé, le package a déjà été installé. Donc ça sert à rien normalement d'attendre. Une fois le package installé, donc, dès que vous voyez qu'il n'y a plus rien, bam, on relance. Voilà. Et à ce moment-là, vous faites start bot. Ouais, ça c'est facile totalement. Après il faut déjà, ça va marquer partie bot fait par Xmist, c'est le youtubeur en question qui a créé, enfin la vidéo que j'ai vue là qui m'a intéressé, c'est celle là et il explique comment la faire. Du coup je sais pas si sa vidéo est encore en ligne parce que ça se trouve elle a été supprimée ou quelque chose dans le genre. Donc là on s'en fiche, là vous attendez, ça prend du temps, ça c'est là c'est totalement normal, ça genre c'est, faut s'y attendre. Bam, boum, boum. Donc après il y aura un message qui sera marqué en bleu je crois, ouais je crois que ça sera marqué en bleu. Une fois il y aura un autre message en bleu, après il y aura marqué en vert. Si un message en rouge, et bah là ça veut dire qu'il faut recommencer, enfin il faut remettre les identifiants en mode de passe parce que ça trouve il y a eu un problème dans au moment où tu as inséré dans config, donc ce fichier là. Après ça va marquer un message en vert. Donc ça c'est totalement normal, normalement. Une fois le message ouvert, vous pouvez fermer. Et non, faut laisser ouvert. Justement, je suis con. Vous allez sur Fortnite et vous demandez à un ami le nom du bot. Vous demandez à un ami votre bot. Donc et après, une fois demandé à un ami, vous allez avoir. Il va vous accepter normalement directement. Si vous accepte pas directement, faut tout refaire. Et je précise, il faut Python. Python, c'est un logiciel de. Je sais plus. Un logiciel de codage. Une fois
une fois demandé à un ami, vous l'invitez dès qu'il voulait vous accepter. Et du coup, il sera dans votre lobby de moment avec le skin principal Recon Expert, le tout premier du coup, qui existait, on peut dire, ouais, je crois. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est faire gérer, chuchoter. Vous faites après chuchoter et vous partez, point d'exclamation skin, espace, le nom du skin, entrée pour qu'il soit, il change de skin, point d'exclamation backpack, B-A-C-K, P-A-C-K, espace, le nom du sac, pour qu'il change de sac, emote, point d'exclamation emote, faut mettre un point d'exclamation à tous les trucs, skin backpack, emote pour, voilà, par exemple, je vais là dans le scénario, point d'exclamation E-M-O-T-E, espace S-C-E-N-A-R-I-O, entrée, il va la faire. Pour qu'il parte, vous faire point d'exclamation live, L, point d'exclamation ouais, live, E-L-E-A-V-E. Une fois que c'est fait, bah voilà, je crois que j'ai dit les bases du truc. Vous pouvez faire expulser des gens en faisant point d'exclamation expulse, E-X-P-U-L-S-E, espace. Le pseudo du mec que tu veux qu'il exclue, bah après il faut qu'il ait les droits de chef, puis après c'est bon. Je crois que j'ai tout dit, puis voilà. Ouais, bah du coup, abonnez-vous et puis à une prochaine fois. Salut!